Allez, on commence la semaine comme il se doit, on ouvre notre agenda. Du ballon rond, du hérisson, du chauve un poil grognon, des bagnoles qui foncent vers d'autres horizons et des iti qui ne font pas téléphone maison. Ah. L'agenda, action. Forza Horizon 3, c'est des vacances en rab. L'Australie s'offre à vous et forcément, on n'a jamais vu plus beau terrain de jeu dans la série. L'ambiance festival, ça marche toujours et le contenu déborde de la galette. Les modes en ligne abondent, les défis bien barrés aussi, la coupe est pleine. Après le vroom vroom, un peu de pampan. Oui, on a du mal à s'éloigner des stéréotypes du jeu vidéo, mais là, en l'occurrence, il est aussi question de subtilité. 47 revient dans l'épisode 5 de Hitman pour une virée au Colorado qui ne s'annonce pas de tout repos. Oh là, oh là, oh là, attention, hein, gros cylindré, mec baraqué avec des pistolets et maintenant des gars qui courent balle aux pieds. Aïe, 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 la mission anti-stéréotype est mal barrée. Tant pis, on s'incline quand même devant le roi FIFA qui nous apporte pour la première fois un mode carrière scénarisé. Pas sûr de la pertinence et de la justesse d'un tel choix, mais il fallait essayer. Verdict très très bientôt. S'il y en a bien un qui a décidé d'oublier toute notion de scénario, c'est Sonic. De toute façon, un hérisson bleu copain avec un renard à deux queues qui chasse des émeraudes, c'était plus proche de l'excès de jus de pomme que du chef-d'œuvre littéraire. Allez, n'oublions pas qu'à côté des écueils récents sur console de salon, Sonic a su trouver sa place sur portable. Ça tombe bien, c'est sur 3DS qu'il revient. Sonic Boom, Fire and Ice, c'est la promesse de retrouver de la plateforme en bonne et due forme. Oui, ça fait deux fois forme. Et même trois fois, si je veux, parce que les extraterrestres de XCOM 2 le sont aussi, en forme. Après des débuts sur PC, le titre débarque enfin sur console, histoire de rappeler que la stratégie a aussi sa place dans le salon, et il a mille fois raison. Ça y est, vous voilà défoulés, apaisés, les yeux chargés, l'agenda, vous pouvez refermer.